exciting and new. Come aboard. We're expecting you and love. Life's sweetest reward. Let it flow. It floats back to you. Course for adventure, you'll mind on a new romance. And love won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore. It's love. De l'accueil, ici, s'il vous plaît. La jeune fille, là-bas. Ah, viens, chérie. Bonjour, bienvenue à bord. Merci. Je m'appelle Wolf et voici ma femme Anita. Moi, c'est Cyril. Ah oui. Enchanté. C'est le pied, hein? Cyril, et ta promesse? Chérie, je lutte, mais c'est plus fort que moi. Oh, c'est pas grave, monsieur Wolf, mais de toute manière, je crois que vous allez être très coopératif. Vous êtes prêt à donner un coup de main? Ah! Est amusante aussi, hein? Bonjour, nous sommes les Dickerson. Bonjour, Julie McCoy, enchantée. Je vous présente monsieur et madame Wolf. Enchantée. Tout le plaisir est pour nous, révérend. Je vous ai eu, hein? Ça va être une croisière étonnante. Et ça fait du bien de se détendre, vous ne trouvez pas? Ce n'est rien, ma chérie. Viens. Voilà. Bon, ben, je vais... Oh, vous n'aurez à supporter ces fantaisies que pendant 10 jours. Et moi, ça fait 20 ans que ça dure. Et il n'y a jamais de temps mort. Gopher. Oui? Vous pourriez accélérer un petit peu? Et? Vous pourriez passer en troisième. Eh oui, je m'excuse, mademoiselle. Je croyais que la troisième... Oui, je sais, tout le monde croit ça. Mais puisque je suis coincée là-dedans, autant que je m'amuse un petit peu, non? Bon. D'accord. À vos marques, moteur marche. Pied au plancher, attention de fin. Chaud le vent. Et voilà. Là. Voilà le patron. Oh, mes respects, commandant. Je voudrais vous présenter mademoiselle... Eh oui, je sais, Gopher, je connais mademoiselle Maureen Mitchell. Je suis vos exploits sur les courts de tennis depuis des années. Ah, il y a un mois, je jouais au tennis et maintenant, je fais dans la course automobile. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, je fais chauffer le moteur. Commandant Stubbing. Enchanté. Je suis heureux de pouvoir parler tennis. En fait, mon problème, à moi, c'est mon service. Ah, et qu'est-ce qu'il a, votre service? Je ne touche pas une balle. Je vous reverrai ce soir pour le dîner. Oui. Bon, vous avez dit cabine numéro 342, pont promenade. Je peux me débrouiller toute seule. Bien, d'accord. Merci. Et vous passez par ces portes-là-bas, voyez-vous, c'est à gauche. Très bien, merci beaucoup. D'accord. À tout à l'heure. Et à tout à l'heure. C'est la meilleure. Et moi qui croyais que je pourrais m'amuser. Bonjour, Mitchell. Et ce dos, ça va? Ça ne te regarde pas, merci. Je posais la question par gentillesse. Un coup malheureux était toujours folle de rage. Tout le monde a ses mauvais jours. 6-1 et 6-0, ce n'est pas un mauvais jour. C'est la pile. Que c'est triste, un mauvais perdant. À propos de mauvais perdant,
Qu'est-ce que tu penses d'un type qui, pour se venger d'une fille qui ne cède pas tout de suite, fait prendre des photos douteuses par son assistante? Oh non, une minute, ma grande, une minute. Alors, c'est ce que tu crois, hein? Maureen, on était assez bien tous les deux. Et ça a craqué, je ne sais pas pourquoi. Mais je n'ai jamais mêlé ma vie privée à mon journal. Tout le monde s'en contrefiche de ton journal. Je l'utilise pour envelopper mon poisson. Si tu continues à jouer comme tu viens de faire à Wimbledon, tu ne pourras même pas envelopper du poisson pour gagner ta vie. Oh, Mitchell. Oui. Guéris vite. On a besoin de toi. Tiens, qu'est-ce qui t'arrive, mon pauvre Ballard? On devient humain en prenant de l'âge? Anita, je ne vois pas pourquoi tu fais cette tête. Tout le monde aime le coup du verre baveur. Sauf quand on boit du champagne, il y a plus de 150 dollars la bouteille. J'ai proposé au commandant de lui payer une nouvelle cravate. Oh, je t'en prie, arrête, ça suffit. Voyons, chérie, mais essaie de comprendre. C'est ridicule, je ne peux pas m'en empêcher. C'est maladif. Oh. Je sais que c'est souvent débile, le ballon plein d'eau, le fluide glacial, le camembert à la moutarde. Mais je t'assure, ça vient du plus profond de moi-même. Non, c'est vrai, tout au fond de moi, il y a toujours un gag qui me demande qu'à sortir. Ah. Tu vois, là. Ah. Oh, non, c'est pas vrai, tiens. Merci. Mais salut. Tu as vu ce que je viens de trouver qui traînait, là, devant ta porte? Docteur? Salut, la grande Maureen Mitchell. Dites, si les filets vous manquaient, il fallait embarquer sur un chalutier. Vous avez dû voir mon dernier match. Je m'appelle Adam Bricker. Docteur. Je savais que vous aviez embarqué avec nous. Vous n'avez pas trop d'ennuis? Seulement avec mon chauffeur. Il faudrait lui enlever son permis. Bon, ben, je vais suivre les cours. Appelez-moi en cas de problème, Maureen. Mademoiselle, pour toi. Allez, va jouer avec ton petit seau et t'appelle. Il y a des pâtés à midi. C'est ça, oui. J'ai promis à mon docteur de vous montrer mes radios. Voyons voir ça. Oh, ben ça alors, je ne savais pas que votre médecin traitant était Irvewood. Vous le connaissez? Si je le connais, nous avons fait toutes nos études ensemble. Irv était prêt à tout pour faire un canular. Une fois, je me souviens, il avait un cadavre, il voulait lui faire... Oui. Bon, je vous en dirai plus un autre jour. Si vous voulez bien, quand vous le verrez, vous lui dites bonjour de ma part. Bien sûr. En fait, quand nous débarquerons à Los Angeles, je prends le premier avion pour Houston pour qu'il puisse m'opérer. Vous ne pouvez pas être entre de meilleures mains. À la réflexion, ne lui dites rien, je lui passerai moi-même un coup de fil. C'est vous, le docteur? Ah oui, et qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai dû me fouler le genou. Ah oui, c'est douloureux. Pas si c'est son genou. T'as pas de balle à manger? Je crois que vous vous connaissez, vous. Oui, malheureusement. Bien. Ben, il est bien foulé, oui. Bon. Eh ben, je vais vous le remettre d'aplomb, mais il faut éviter de poser le pied pendant au moins 2 jours. Et comment je pourrais bouger? Avec ce truc-là. Ça devient un grand club. Il faut vraiment? Sauf si mademoiselle vous accepte sur ses genoux. Désolée, d'après mon assurance, c'est une voiture à une place. Vidange, graissage tous les 8000. Mesdames, messieurs, ici le commandant. Nous espérons que cette escale vous a été agréable. Nous partons pour Manhattan dans quelques minutes. Regardez! Regardez des souvenirs de ce beau pays! Qui veut un souvenir? Allons, allons! Souvenir d'Acapulco? Monsieur, monsieur, prenez-moi un petit souvenir. Vous, mademoiselle, veuillez débarquer, nous allons bientôt partir. Quoi? Déjà? Eh oui. C'est bien ma veine. J'ai pas fait d'affaires terribles, alors. Qu'est-ce que va devenir ma famille? Votre famille... J'ai accepté de prendre tout le monde en charge. Tout le monde? Tous, mes petits frères et sœurs, nous sommes 14. Encore un, et vous formiez une équipe de rugby. Il est en route. Il est en route, Oh, si vous m'achetiez tout ça, ça me dépannerait. Oh, mademoiselle, alors là, je vous jure que j'ai acheté tellement de souvenirs mexicains que je pourrais ouvrir une boutique si je voulais. Bon, alors, il faut que je remonte faire mon travail. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. À bientôt, peut-être. Thank you.
Amérique, me voilà. Est-ce que tu vois ce que je vois? Je vois ce que tu vois. Attends une minute. J'ai déjà vu ce pied-là quelque... Bonjour. Commandant. Commandant. Il est évident que quelqu'un a perdu un billet de 100 dollars, oui. On comptait justement le porter aux objets trouvés. Oui. Merci, laissez, je vais m'en charger. Oh, je suis vraiment désolée. Oh, manifestement, c'est encore un tour de mon époux. Oh, c'est une plaisanterie qu'il affectionne. Votre mari. Il faut lui donner une leçon. Avec plaisir. Merci. Pour l'arbre de Noël des petits. Oui. Non, pas question. Point, jeu et 7. Vous tenterez à reculons. Ah. Besoin de moi? Oui. C'est drôle, j'ai l'impression d'être une de ces mules qui tournent en rond toute la journée. Manifestement, tu es droitier. Hein? Si tu es droitier, tu pousses davantage sur la roue droite et automatiquement tu tournes. C'est normal. C'est pas bête du tout. J'ai pas de problème avec les fauteuils roulants, mais alors avec les journalistes sportifs... On pourrait peut-être faire la paix, non? Et on en reparlerait. Que les passagers aiment beaucoup voir les membres de l'équipage leur présenter un show. Pourquoi ne feriez-vous pas quelque chose, commandant? Mademoiselle, je suis le maître après Dieu, vous le savez bien. Je ne suis pas un clown. Il est important pour tout le monde que je sois synonyme de dignité et de respect. Je ne chante pas, je ne danse pas et je ne raconte pas d'histoires drôles. Et vous ne voulez pas non plus jongler avec des oranges? Je vous en prie, mademoiselle. Sortez. Bien. Je fais votre cabine maintenant, commandant. Oui, oui. Oh. Vous faites les lits de tout le monde de cette manière ou c'est juste pour le mien? Je ne sais pas comment elle est arrivée là. Je ne vais quand même pas fouiller toutes les tédoriers pour savoir s'il y a quelqu'un. C'est vrai, maintenant les gens pourraient bien faire attention où ils rangent leurs affaires, c'est insensé. Eh bien, hein? Eh bien, je suis venue de moi-même. Je suis coupable. Je suis malade. Ça, alors, il nous manquait plus qu'un passager clandestin. Oh, ça vous manquait? C'est vrai, ça vous manquait vraiment? Eh ben, j'ai de la chance. Non, mais vous êtes tenu, enfin, et vous vous appelez comment? Moi, eh bien, je m'appelle Angelina Valeria Ruiz Inés López. Donc, A-V-R-I-L. Tout le monde à Acapulco m'appelle Avril. Eh bien, bienvenue à bord, Avril. Merci, merci. Alors, du moins, pourquoi est-ce qu'on ne l'aiderait pas à sortir de ses draps? Je reviendrai quand vous aurez moins de travail sur les bras. Non, une minute, j'ai encore quelque chose à récupérer. Merci pour tout. Madame. Merci. J'ai des problèmes, non? Je crois que vous avez des problèmes, oui. Vous avez fait quelque chose qui est contraire au règlement. Oh, je suis malade. Oh, commandant, pitié, ne me punissez pas.
Oh, me faites pas marcher sur la planche. Je vous jure que je suis allergique aux petits requins. Après, j'ai des traces de dents tout partout. C'est pas joli. Nous vous débarquerons à la prochaine escale. Youpi! Youpi! I like to be in America. Je veux aller in America. Everything fine in America. Je veux aller en America. America! Commandant, je crois qu'il vaut mieux la prévenir que notre prochaine escale est Mazatlan. Vous savez certainement que vous débarquerez à Mazatlan. Bien sûr. On va descendre à Mazatlan. Non, arrêtez. Vous êtes entré clandestinement. Je ne vous conduirai pas en Amérique du Nord. Vous descendrez à la prochaine escale. Alors ne vous arrêtez pas à la prochaine escale. Oui. Eh oui, comme ça vous serez sûr de ne pas embarquer de passagers clandestins. Pitié, commandant, emmenez-moi dans votre beau pays. Il faut que j'aille en Amérique. Tiens, quand on sera en vue des côtes, je vous jure sur votre tête que je vous aiderai à me jeter en bas du bateau. Pitié. Je ferai les derniers kilomètres à la nage. Désolé, votre croisière s'arrête à Mazatlan. Service des cœurs brisés. Si vous êtes blonde, je suis disponible. Et pour un chauve. Vous êtes disponible? Donc, commandant. Venez dans mes quartiers immédiatement. Il faut emmener une femme chez le docteur Bricker. Pourquoi il a gagné au loto? Venez! Immédiatement! À vos ordres. Oui, commandant. J'arrive. Ne coupez pas. Docteur, voici Avril. Avril, découvrez-vous donc d'un fil. Bien, expliquez-moi le problème. Mon estomac, il fait des bruits bizarres et puis il passe son temps en haut et en bas, hop, il descend et il remonte. Il descend et il... Oui. Ça veut dire que le mal de mer vous guette. Pas la peine qu'il me guette, je l'ai déjà, il faut quelque chose pour le faire passer. Bien, bizarre cette patiente. Et tiens, vous voyez bien docteur que vous dites bizarre. J'ai dit bizarre. Qu'est-ce que c'est? Tiens, ben, on dirait des pilules. Bon, ben, vous les prenez, vous retournez vite dans votre cabine et vous vous allongez. Et docteur, sa cabine, c'est celle-ci. Ah. Oui, elle est entrée clandestinement. Le commandant veut vous la garder avec vous. Comment? Il veut que qu'elle reste ici avec moi? Des réclamations? Oui, des designs. Non. Non, mais elle est entre vos mains, docteur. Elle va être gâtée. Non, j'ai pas dit qu'elle était en bonne main, attention. Bon, alors on va déjeuner. Au revoir, monsieur. Hello. Pourquoi faut-il qu'on dîne ici ce soir? Quoi? Tu plaisantes? Après ce que tu as fait au garçon, je n'oserais jamais mettre les pieds dans la salle à manger, j'ai trop honte. Mais je lui ai simplement attaché les lâchers de ses chaussures. Oh, Cyril. Qu'est-ce que tu veux? Je peux pas m'en empêcher. J'ai dit que je m'excusais, je l'ai même aidé à enlever les nouilles qu'il avait dans les cheveux. Je sais, tu présentes toujours des excuses, mais tu recommences au bout de 2 secondes. Chérie, je t'assure que ça n'est pas facile. On ne change pas d'habitude de toute une vie en quelques minutes. Pas facile du tout, non? Qu'est-ce que tu as dit? Je te dis, mon cher Cyril, que tu ferais bien mieux de trouver un moyen d'en changer immédiatement. Sinon, tu m'enverras ma pension alimentaire. Anita, chérie, crois-moi, j'essaye, tu sais, j'essaye. Je te préviens solennellement, Cyril, que c'est ta dernière chance. Ma chérie, non, pas ici, non, ne t'assieds pas là, plutôt par là, tu vois. Oh, non, pas question. Je ne me fais plus avoir à des tours idiots. Ah, oh. J'en ai assez. Tu peux dire adieu à notre mariage. Mais je l'ai dit, je t'ai dit, ne t'assieds pas là. Anita, chérie, mon amour, donne-moi encore une toute petite chance. Si je t'offre encore une toute petite chance, je vais terminer en service de réanimation. Oh non, chérie, non, attends, je vais t'aider, je t'en prie, je vais t'aider. Non, c'est... Oh, ça coince. Ouais, je suis tout de même ton mari, t'as grossi. C'est idiot, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à la chance sur 100 où l'opération ne réussit pas. Peut-être qu'un jour, je ne pourrai plus jamais marcher. Allons, ne dis pas de bêtises. Je te payerai une paire de baskets pour ton prochain anniversaire. Je peux être franche, Ballard. Tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Bonsoir. Bonsoir, commandant. Julie. Bonsoir.
Excusez-moi, mais je ne peux pas me lever. Je suis vraiment désolé de cette blessure idiote, Monsieur Ballard. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est pourtant la meilleure chose qui me soit arrivée. Commandant, sans vous vexer, je pense qu'il préfère rester seul. Ah, croyez que c'est pour ça qu'ils ont pris une table pour deux. Mmh. Parfait. Je l'emmène, sinon il va chercher deux autres chaises. Bonsoir, chers amis, et bon appétit. Merci. Bonsoir, bonsoir, Julie. Lâche-toi. Qu'est-ce qui a bien pu nous arriver? Nous étions trop occupés à vouloir devenir de grandes vedettes. Oui, j'ai remarqué. Toi, tu faisais les gros titres et moi, on me trouvait en bas à droite. On devait toujours trouver un mois pour s'éclipser et passer des journées ensemble. Oui, je sais, le problème n'était pas simple. Il fallait trouver le mois idéal. Mm. Mars? Non, le tournoi d'Alabama. Avril? Le début de la saison de baseball. Mai? Coupe Davis. Juin? Ah, Wimbledon, oui, je sais, je sais. Ah, on a quand même eu de bons moments. Et on a quand même pu s'arranger pour partir ensemble. Oui, je me souviens très bien. On a passé un long week-end. Mmh. On s'est battu la moitié du temps. Tu te rappelles? Essayons de nous rappeler l'autre moitié seulement. Je voudrais faire plus que de me le rappeler. Qu'est-ce qu'on fait? Une course de fauteuil? Attends que je me mette sur pied une fois pour toutes, Ballard. D'accord. En attendant, au tennis. À la machine à écrire. Et à l'amour. Mais surtout pas dans cet ordre. Alors oui, d'accord. Non, mon vieux, je ne le ferai pas. Je regrette. Comment ça, tu le feras pas? Comment ça, tu regrettes? Tu le fais pas? Comment ça se fait? Vous parlez par énigme. Mais il refuse de faire le show avec nous. Non, tu peux pas faire ça. Ah, c'est ce que je viens de dire. Tu ne peux pas. C'est pas vrai, on comptait sur toi. Isaac, pense à moi. Je t'ai sauvé la vie, mon vieux. Je t'ai sorti de l'eau. Mais tu parles, c'était dans une piscine. Je m'amusais à faire la planche. Ah oui, mais ça, je l'ignorais. Oui, d'accord, on n'a pas le choix. Alors j'ai une solution. Non, non, mon vieux. Non, je ne te dis pas question. Face. Tu as perdu, mon vieux. Je voulais dire pile. Tu vas voir notre numéro, on va faire un malheur. Ah oui, qu'est-ce que vous faites? Ah, c'est une surprise, hein, bonhomme. Hein? Cette croisière n'avait vraiment pas besoin d'une autre surprise. Il y a un joli passager clandestin à bord. Mm-hmm. Un régal pour nos yeux fatigués. Mmh, voilà, c'est une petite... Elle raconte, elle est comment? Non, mais vous avez fini tous les deux. C'est une jeune fille fraîche et innocente. Et si elle traîne du côté du docteur, il faudra réviser ce jugement. Elle doit rester dans la cabine du toubib. Elle va nous faire une crise cardiaque. Non! Qu'est-ce que tu viens faire à cette heure-ci, toi? Je traînais, je suis passée te dire un petit bonsoir. Ah. Ben, bonsoir. 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 Oui, Avril, je pourrais lui dire bonsoir, elle aussi. Ben, elle est dans la chambre. Nous nous préparions à nous coucher, d'ailleurs. Tu sais, je réfléchissais à que... Et voilà, docteur, tout est prêt. Oh, bonsoir, Julie. Bonsoir. Merci beaucoup, Avril. Et j'espère que vous n'aurez pas de frissons dans le dos en dormant là-dessus. Reposez en paix. D'accord. D'accord. Reposez en paix. Docteur, docteur, réveillez-vous, il faut que je vous parle. Vous avez de la chance, le patient qui avait pris rendez-vous vient juste de l'annuler. Oh, mais réveillez-vous, il faut absolument qu'on bavarde tous les deux. D'accord, mais alors évitez de poser des questions. Vous êtes comme ça jusqu'aux pieds? Eh non, arrivé à la taille, mon corps se sépare en deux. Oh. Bon, détendez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Demain, votre patron va me débarquer à Mazatlan. J'ai peur, c'est atroce. Si vous débarquez à Mazatlan, il ne peut rien vous arriver, voyons. Il vous suffira de prendre un autobus et vous repartirez dans votre famille. Dans ma famille? Je ne peux pas rentrer dans ma famille. Je les ai tous laissés tomber. Allons, ma petite Avril, il ne faut pas être comme ça. Vous faites de votre mieux. C'est vrai. Enfin, je pense. Mais tout tourne à la catastrophe. Qu'est-ce que je dois faire? Mais... Il faut persister. Il n'y a pas d'autre solution. Et je vous parie qu'un jour, vous arriverez.
Vous avez réussi à me guérir, docteur, grâce à vos paroles empreintes d'une grande sagesse. Ah, je comprends enfin le sens du mot amitié. Dans ce cas-là, il faut que j'aille m'acheter un dictionnaire, moi. Merci. Certaine que vous vous en sortirez, vous verrez. Ne vous inquiétez plus pour moi, je suis sauvée maintenant. Avril, s'ils veulent vraiment améliorer la race américaine, ils vous laisseront entrer. Merci, c'est gentil. Et surtout, téléphonez-moi. Au revoir, toi. J'ai été contente de t'avoir dans mon petit lit. Au revoir. Au revoir, Julie. Au revoir. Doucement. Et voilà. Oh. Bah vous voyez, vous n'avez pas oublié. Ah mais si j'étais vous, je danserais pas ce soir. Je comptais pas vous inviter. Merci. Ah, excusez-moi. Merci. Je vous en prie. Oui, Bricker. Eh oui, oui, mon appel pour le docteur Ewood, oui. Irving, tu vas bien, vieux débris? C'est Adam Bricker. Non, non, je fais une croisière. Eh, j'ai une de tes patientes à bord. Maureen Mitchell. Oh, elle est sympa. Je ne te la rendrai pas. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais c'est pas possible. Irvine, si c'était pas toi, je lui conseillerais un deuxième diagnostic. Mais oui, elle pensait prendre l'avion pour Houston, le jour de notre arrivée. Mais entendu, vieux. Je lui dirai. Au revoir. Docteur. On ne peut plus l'opérer, c'est ça? Je ne peux pas en parler. Je sais ce que ça représente pour vous, mais excusez-moi, c'est une communication professionnelle. Je veux le lui annoncer. Vous n'avez rien entendu de cette conversation. Il faut oublier votre règlement pour cette fois. Vous la connaissez depuis 4 jours. Et moi, je la connais depuis 4 ans. Je l'aime, docteur, et je crois que c'est moi qui dois le lui dire. Non. Je vous en prie. Docteur, je vous en prie. D'accord, je n'en parlerai pas. Merci. On va se tourner en ridicule. Mais non, pas ridicule. Je te dis qu'on va être le clou du spectacle. Oh, oh, pardon. Le docteur, c'est au fond du couloir, à droite. Écoute-moi. Tu sais que je viens d'une famille, du show business. Mais... Oui, j'avais une tante qui était ouvreuse. Corbeille de fruits pour le docteur. De la part de qui? Attendez, je vais vous aider. Je suis plus grande qu'une miche de pain et j'annonce l'arrivée du printemps. Avril. Oh. Et qu'est-ce que vous faites là? J'ai apporté un cadeau pour un très vieil ami. Mais vous êtes partie depuis plusieurs heures. Oh oui, je sais. Alors je vais m'absenter 1 heure de plus et à ce moment-là, je vous manquerai peut-être. Il ne s'agit pas de ça, mais théoriquement, vous deviez repartir en autobus chez vous. Mais vous m'avez dit de ne pas me décourager. Oui, mais vous devriez essayer un autre navire. Je vous crée beaucoup de problèmes. Bon. Vous allez prévenir le commandant? Eh bien, peut-être pas avant demain matin. Puis je commence à avoir l'habitude de dormir sur une table. Oui. Allez. Vous pouvez entrer? Tiens. Oh. Non, ne parlez pas. Je reconnaîtrais ce pas n'importe où. Rudolf Nureyev.
Ton genou fonctionne à merveille. Aucun problème, il est ankylosé, rien de plus. Pendant une seconde, tu m'as inquiété. J'ai bien réfléchi. Après mon opération, il faudra que je me repose pendant quelque temps. Ça sera une bonne occasion pour ce mois dont on parle depuis si longtemps. On grimpera dans ton chalet et on marchera des heures. Maureen. Oui? Il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Chérie, je te jure que je suis prêt à aller au bout du monde avec toi quand tu voudras. Mais... Mais quoi? Mais en tant que mari et femme, je t'aime et je ne veux pas prendre le risque de te perdre de nouveau. Je veux t'épouser. John, je vais te dire un grand secret. Tu sais ce qu'il y a de plus important pour moi, de plus important qu'une victoire sur la belle Chris Evert? C'est de marcher jusqu'à l'hôtel avec toi. N'est-ce pas? Votre époux n'est pas caché quelque part? Non. Bon, alors je n'ai pas à m'inquiéter de ces fameuses plaisanteries plus que douteuses. Oh. Provoquez-moi. Oh, je suis désolée. Je ne comprenais pas pourquoi les gens étaient si agressifs aujourd'hui. Révérend Dickerson, je voudrais présenter des excuses pour Cyril. Il... Ah, eh bien, je reconnais qu'il a un étonnant sens de l'humour. Oui, il me fait découvrir qu'il est parfois difficile de tendre l'autre joue. Vous comprenez? Je voudrais vous remercier de vous montrer si compréhensif avec lui. Il faut que je vous laisse. Je veux l'empêcher de préparer un mauvais coup, je le connais. Cette pauvre femme. Mais avec un mari comme lui, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Au secours! Au secours! Un homme à la mer! Un homme à la mer, oh mon Dieu! Un homme à la mer! Regardez, c'est son chapeau, ça! Oui, je le reconnais. C'est à lui. C'est encore Monsieur Wolf. Ça va, il fait le fou. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, rien. Si nous déclenchons l'alarme, nous risquons de devenir la risée de tout le navire. Je ne veux pas passer pour un abruti une fois encore. Moi non plus. Oui, mais si ce n'était pas à lui. Hein? Oui, si jamais on se trompait. Oh. Je ne veux pas avoir un mort sur la conscience. Non. Il vaut mieux prévenir l'équipage. Oui. Madame Wolf, nous avons des doutes. Mais nous croyons que votre mari est tombé par-dessus bord. Son chapeau flottait sur la mer. Il faut faire stopper les machines. Oh, oh, je vous en prie. Bien. Calmons-nous. Pas de panique. Vous savez bien que Cyril est prêt à tomber n'importe où pour faire rire les autres. Je sais qu'il ne cherche pas à blesser quelqu'un avec ses plaisanteries. Non, c'est juste pour... Eh bien, parfois, il se laisse emporter et puis il ne sait plus quand s'arrêter. Moi, je serais assez disposée à l'arrêter d'une bonne gauche au menton. Allons, Martha. Si je pouvais, je... Martha. Je parie qu'il saurait s'arrêter si un jour la plaisanterie se faisait à ses dépens. Oh, vous savez que c'est une idée que je trouve très intéressante. Il nous faudrait de l'alcool, de l'iodine et du ruban adhésif. Qu'est-ce qui s'est passé? Un blessé? Oui, un spectateur. C'est pour notre numéro de ce soir. C'est à Avril, cette guitare? Oh, c'est très gentil. Oh, docteur, elle t'en a fait cadeau, vraiment? Mais non, elle l'avait sous le bras en quittant le navire. Docteur. Docteur. Le commandant va nous massacrer les uns après les autres. Oui, avec un peu de chance, il va se faire des cheveux. Non, sans blague, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour Avril? Il va falloir encore une fois la débarquer. Si on le met au courant. Alors, il ne faut rien lui dire. Alors, je ne lui dirai rien.
Il faut que je lui dise. Ayez confiance en moi. Il y a bien des façons de présenter une situation de ce genre. Anita! 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 Tu as vu ce que j'ai fait avec le révérend? Anita! Anita! À tout le monde, on vient juste de m'apprendre que mon bien-aimé Cyril était passé par-dessus bord. Je ne saurais vivre sans mon époux, c'est pour ça que je viens moi aussi de passer par-dessus bord. Je tiens à l'accompagner dans son voyage vers l'au-delà. Oh non. Anita chérie, je voulais pas... Tout ça c'est ma faute. Ah, tout ça, c'est ma faute. On vous a eu! On commence le show? Oui, allez-y, je vous en prie. À l'heure, comme les grands artistes. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à notre grande soirée. Notre show s'appellera C'est presque du beau spectacle. Et quand vous aurez vu le numéro d'ouverture, vous comprendrez très vite pourquoi. Bon, et bien place à messieurs Goffer et Isaac. Je ne crois pas que c'est dangereux. Non, non, le pont s'est déjà écroulé. Amis, un numéro assez particulier. Je dois dire que c'est un numéro que le commandant a découvert personnellement. Angelina Victoria Ruiz Inés Lopez. Allons-y. My dream is to share the key that you're leaving night. Y a tu ventana llega una paloma. Trátala con cariño en mi persona. Ay, mi niño, que sí. Y que dame tu amor. Donde vivo yo. Let's go to that. Check it out, people. Arre, arre, da. All right. Tequila. Drrr. Woo-hoo. Tu vas, mi amor. Tu vas, my love. Du brandy. Oui, gagné. J'ai de la mémoire. Bon, je reviens. Rassure-toi, je ne m'enfuirai pas.
Catherine, ça fait une heure que je vous cherche. Le docteur Ehud a téléphoné pour dire qu'un laborantin avait interverti vos radios. Il peut vous opérer. Tout se passera bien. Vous voulez tout me répéter lentement? Oh, c'est une grande nouvelle. Je ne sais pas comment m'excuser pour vous avoir fait endurer cette épreuve depuis hier. Je sais que ça a dû être un choc terrible quand John vous a dit que l'opération était impossible. Maureen. Je m'excuse, je suis un peu abasourdie. On demande le docteur Bricker sur la passerelle. Excusez-moi, le devoir m'appelle. Vous êtes une chic fille. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureux, pour l'un comme pour l'autre. Voilà, ça va vous remonter, Madame Ballard. Le meilleur brandy du monde. Tiens, un jour, nous irons en France et nous viderons toutes les caves de cognac. Ensuite, ce sera Paris pour les robes, Londres pour les courses à Ascot et enfin Buckingham pour papoter avec la reine. John, j'ai bien réfléchi et ça ne marchera pas, mon vieux. On sait jouer la comédie. Quoi? Tu as ta carrière et j'ai la mienne. Je sais que tu veux m'épouser, mais... Mais quoi? Un jour ou l'autre, on finira par devoir choisir. Une des deux carrières passera avant l'autre. Je ne veux pas que tu abandonnes la tienne et je n'arrêterai pas la mienne. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu m'aimes, on se marie, un point, c'est tout. Il n'est pas question d'amour dans tout ça. Si tu veux m'épouser, c'est par pitié. Mais pourquoi me dis-tu tout ça? Je viens de voir le docteur Bricker. Et j'ai découvert qu'il y avait quelque chose que tu n'avais pas eu le cran de me dire. Maureen. Comment veux-tu avoir le cran de dire à la femme que tu aimes qu'elle ne pourra plus jamais marcher? Maureen, je t'aime très fort. Je veux toujours être avec toi. Et je remercierai le ciel de vivre auprès de toi. Que tu sois une grande sportive, ou même dans un fauteuil roulant. C'est pas drôle d'épouser une infirme, non? Oh, ne dis pas ça. Il y a une nouvelle que m'a apprise le docteur qui pourrait sans doute t'intéresser. Oui. L'opération est toujours possible. Je pourrais remarcher. Oh, évidemment, il faudra me tenir la main pendant quelque temps. Alors, je pense que j'aurai besoin de toi. À votre disposition, madame. Les douaniers ont bien étudié son dossier. Ils n'ont pas trouvé de contrebandier qui corresponde à sa description. Alors votre fils a pu passer. Oh, aucun merci, problème. Isaac. Qu'est-ce que tu as là, hein? Je vais prendre une photo, maman. Attends. Bien sûr. Oui, prends le tout nouveau Cyril Wolf. Je me sens rajeunir de 15 ans, à l'époque où je n'avais pas à avoir peur de tous ces gags absurdes. Suzy! C'est bien, mon petit. J'ai l'impression d'avoir pris 15 ans. Je suis fier de toi, mon petit. Tu as profité de mes leçons. Rentrons à la maison, je vais t'en trouver d'autres. Et merci de nous avoir invités pour le mariage. Eh oui, un tout petit détail, c'est prévu pour quand? Eh bien, c'est justement ce que nous essayons de régler. Nous devrions revenir de la montagne en août, alors ce sera probablement en septembre. Oh, septembre, ça te ferait rater Forest Hills. Non, ce sera probablement en octobre. Je t'ai dit que tu avais la finale de football. Oh, ça, je m'en contrefiche. Alors, moi aussi. Ah non, pas question, il faut que tu y participes. Si tu y tiens. Mais oui.
À bientôt. À au revoir. Bientôt. Au revoir, Maureen. Au revoir. Conduisez pas trop vite. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Aucune idée. Le commandant nous a dit de ne pas bouger avant son retour avec Julie. Peut-être que Charles Bronson va venir vous délivrer en hélicoptère. Je disais ça comme... Avril! Ah, il faut que j'y aille, commandant. Oui, il faut que vous y alliez. Je vais en prison? Non, travailler. Travailler? Vous allez me faire condamner aux travaux forcés? Non, on vous a mis sur la liste de l'équipage. L'équipage? Oh, j'ai compris ce que je vais faire. On est revenu au temps des galères. Non, vous n'aurez pas ramé à fond de cale. Je me suis arrangé pour que vous travailliez à bord du Princesse comme chanteuse vedette ou sur un autre bâtiment. Voici votre contrat. Oh, commandant, moi, vous me sauvez la vie. Oh, je vous aime. Vous êtes un homme merveilleux. Non, un peu trop, que je vous aime. Enfin, quoi? Combien je toucherai? 300 par semaine. Mettons 400. 300. Alors 350. 285. Bon, d'accord, alors 300. Félicitations. Merci, docteur. La vie est extra. Je vais gagner 300 dollars par semaine. Et j'ai des amis que je n'échangerai pour rien au monde. Docteur, merci beaucoup, ma petite Julie. Je vous remercie tous. Oh, mon Dieu. Au repos, Avril. Le prix de ce voyage sera bien évidemment déduit de votre paye. Mais de quel droit? Et au tarif équipage ou à celui de passager? Et le repas qu'on ne m'a pas servi, hein? Oh, je vais me chercher un agent, moi. Parce que ça, c'est pas possible. Alors, il faut que je me cherche un agent. Non, parce non, que non, je vais chercher quoi? Je vais chercher cela. Mais par exemple... C'est la pile. Que c'est triste, un mauvais perdant. À propos de mauvais perdant, qu'est-ce que tu penses d'un type qui, pour se venger d'une fille qui ne cède pas tout de suite, fait prendre des photos douteuses par son assistante? Oh non, une minute, ma grande, une minute. Alors, c'est ce que tu crois, hein? Maureen, on était assez bien tous les deux. Et ça a craqué, je ne sais pas pourquoi. Mais je n'ai jamais mêlé ma vie privée à mon journal. Tout le monde s'en contrefiche de ton journal. Je l'utilise pour envelopper mon poisson. Si tu continues à jouer comme tu viens de faire à Wimbledon, tu ne pourras même pas envelopper du poisson pour gagner ta vie. Oh! Mitchell. Allez. Guéris vite. On a besoin de toi. Tiens, qu'est-ce qui t'arrive, mon pauvre Ballard? On devient humain en prenant de l'âge? Anita, je ne vois pas pourquoi tu fais cette tête. Tout le monde aime le coup du verre baveur. Sauf quand on boit du champagne, il y a plus de 150 dollars la bouteille. J'ai proposé au commandant de lui payer une nouvelle cravate. Oh, je t'en prie, arrête, ça suffit. Voyons, chérie, essaie de comprendre. C'est ridicule, je ne peux pas m'en empêcher. C'est maladif. Oh. Je sais que c'est souvent débile, le ballon plein d'eau, le fluide glacial, le camembert à la moutarde. Mais je t'assure, ça vient du plus profond de moi-même. Non, c'est vrai, tout au fond de moi, il y a toujours un gars qui me demande qu'à sortir. Ah. Tu vois, là. Ah. Oh non, c'est pas vrai, tiens. Merci. Mais salut. Tu as vu ce que je viens de trouver qui traînait, là, devant ta porte? Docteur? Salut, la grande Maureen Mitchell. Si les filets vous manquaient, il fallait embarquer sur un chalutier. Vous avez dû voir mon dernier match. Je m'appelle Adam Bricker. Docteur. Je savais que vous aviez embarqué avec nous. Vous n'avez pas trop d'ennuis? Seulement avec mon chauffeur. Il faudrait lui enlever son permis.
Bon, ben, je vais suivre les cours. Appelez-moi en cas de problème, Maureen. Mademoiselle, pour toi. Allez, va jouer avec ton petit saut et t'appelle. Il y a des pâtés à midi. C'est ça, oui. J'ai promis à mon docteur de vous montrer mes radios. Voyons voir ça. Bon, ben ça alors, je ne savais pas que votre médecin traitant était Irvewood. Vous le connaissez? Si je le connais, nous avons fait toutes nos études ensemble. Irv était prêt à tout pour faire un canular. Une fois, je me souviens, il avait un cadavre, il voulait lui faire... Oui. Bon, je vous en dirai plus un autre jour. Si vous voulez bien, quand vous le verrez, vous lui dites bonjour de ma part. Bien sûr. En fait, quand nous débarquerons à Los Angeles, je peux, non? Bon. D'accord. À vos marques, moteur Mars. Pied au plancher, attention de fin. Chaudement. Et voilà. Classe. Voilà le patron. Oh, mes respects, commandant. Je voudrais vous présenter mademoiselle... Eh oui, je sais, Goffert, je connais mademoiselle Maureen Mitchell. Je suis vos exploits sur les courts de tennis depuis des années. Oh, il y a un mois, je jouais au tennis et maintenant, je fais dans la course automobile. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, je fais chauffer le moteur. Commandant Stubbing. Enchanté. Je suis heureux de pouvoir parler tennis. En fait, mon problème, à moi, c'est mon service. Ah, et qu'est-ce qu'il a, votre service? Je ne touche pas une bille, une balle. Je vous reverrai ce soir pour le dîner. Oui. Bon, vous avez dit cabine numéro 342, pont promenade. Je peux me débrouiller toute seule. Bien, d'accord. Merci. Et vous passez par ces portes là-bas, voyez-vous, c'est à gauche. Très bien, merci beaucoup. D'accord. À tout à l'heure. Et à tout à l'heure. C'est la meilleure. Et moi qui croyais que je pourrais m'amuser. Bonjour, Mitchell. Et ce dos, ça va? Ça ne te regarde pas, merci. Je posais la question par gentillesse. Un coup malheureux et tu es toujours folle de rage. Tout le monde a ses mauvais jours. 6-1 et 6-0, ce n'est pas un mauvais jour. C'est la pile. Que c'est triste, un mauvais perdant. À propos de mauvais perdant, qu'est-ce que tu penses d'un type qui, pour se venger d'une fille qui ne cède pas tout de suite, fait prendre des photos douteuses par son assistante? Oh non, une minute, ma grande, une minute. Alors, c'est ce que tu crois, hein? Maureen, on était assez bien tous les deux. Et ça a craqué, je ne sais pas pourquoi. Mais je n'ai jamais mêlé ma vie privée à mon journal. Tout le monde s'en contrefiche de ton journal. Je l'utilise pour envelopper mon poisson. Si tu continues à jouer comme tu viens de faire à Wimbledon, tu ne pourras même pas envelopper du poisson pour gagner ta vie. Oh! Mitchell. Allez. Guéris vite. On a besoin de toi. Tiens, qu'est-ce qui t'arrive, mon pauvre Ballard? On devient humain en prenant de l'âge? Oh, Anita, je ne vois pas pourquoi tu fais cette tête. Tout le monde aime le coup du verbe. Maintenant. Du brandy. Oui, gagné. J'ai de la mémoire. Bon, je reviens.
Rassure-toi, je ne m'enfuirai pas. Maureen, ça fait une heure que je vous cherche. Le docteur Ehoud a téléphoné pour dire qu'un laborantin avait interverti vos radios. Il peut vous opérer. Tout se passera bien. Vous voulez tout me répéter lentement? Oh, c'est une grande nouvelle. Je ne sais pas comment m'excuser pour vous avoir fait endurer cette épreuve depuis hier. Je sais que ça a dû être un choc terrible quand John vous a dit que l'opération était impossible. Maureen. Je m'excuse, je suis un peu abasourdie. On demande le docteur Bricker sur la passerelle. Excusez-moi, le devoir m'appelle. Vous êtes une chic fille. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureux, pour l'un comme pour l'autre. Madame Ballard, le meilleur brandy du monde. Tiens, un jour, nous irons en France et nous viderons toutes les caves de cognac. Ensuite, ce sera Paris pour les robes, Londres pour les courses à Ascot et enfin Buckingham pour papoter avec la reine. John, j'ai bien réfléchi et ça ne marchera pas, mon vieux. On sait jouer la comédie. Quoi? Tu as ta carrière et j'ai la mienne. Je sais que tu veux m'épouser, mais... Mais comment... Ay, mi niño que sí, y que dame tu amor. Ay, que vente mi niño, donde vivo yo. Let's go to that, shake it to me, good. Arre, arre. Olé. Tequila. Tu vas, mi amor. Du brandy. Oui, gagné. J'ai de la mémoire. Bon, je reviens. Rassure-toi, je ne m'enfuirai pas. Maureen, ça fait une heure que je vous cherche. Le docteur Ehoud a téléphoné pour dire qu'un laborantin avait interverti vos radios. Il peut vous opérer. Tout se passera bien. Vous voulez tout me répéter lentement? Oh, c'est une grande nouvelle. Je ne sais pas comment m'excuser pour vous avoir fait endurer cette épreuve depuis hier. Je sais que ça a dû être un choc terrible quand John vous a dit que l'opération était impossible. Maureen. Je m'excuse, je suis un peu abasourdie. On demande le docteur Bricker sur la passerelle. Excusez-moi, le devoir m'appelle. Vous êtes une chic fille. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureux, pour l'un comme pour l'autre. Madame Ballard, le meilleur brandy du monde. Tiens, un jour, nous irons en France et nous viderons toutes les caves de cognac. Ensuite, ce sera Paris pour les robes, Londres pour les courses à Ascot et enfin Buckingham pour papoter avec la reine. John, j'ai bien réfléchi et ça ne marchera pas, mon vieux. On sait jouer la comédie. Quoi? Tu as ta carrière et j'ai la mienne. Je sais que tu veux m'épouser, mais... Mais quoi? Un jour ou l'autre, on finira par devoir choisir. Une des deux carrières passera avant l'autre. Je ne veux pas que tu abandonnes la tienne et je n'arrêterai pas la mienne. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu m'aimes, on se marie. Je ne saurais vivre sans mon époux. C'est pour ça que je viens moi aussi de passer par-dessus bord. Je tiens à l'accompagner dans son voyage vers l'au-delà. Oh non. Anita, chérie. Je voulais pas...
Tout ça, c'est ma faute. Ah, tout ça, c'est ma faute. On vous a eu! Oui, allez-y, je vous en prie. À l'heure, comme les grands artistes. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à notre grande soirée. Notre show s'appellera C'est presque du beau spectacle. Et quand vous aurez vu le numéro d'ouverture, vous comprendrez très vite pourquoi. Bon, et bien place à messieurs Goffer et Isaac. Je crois pas que c'est dangereux. Non, non, le pont s'est déjà écroulé. Chers amis, un numéro assez particulier. Je dois dire que c'est un numéro que le commandant a découvert personnellement. Angelina Victoria Ruiz Inés Lopez. Allons-y. Pourquoi tu fais cette tête? Tout le monde aime le coup du verre baveur. Sauf quand on boit du champagne, il y a plus de 150 dollars la bouteille. J'ai proposé au commandant de lui payer une nouvelle cravate. Oh, je t'en prie, arrête, ça suffit. Voyons, chérie, essaie de comprendre. C'est ridicule, je ne peux pas m'en empêcher, c'est maladif. Oh. Je sais que c'est souvent débile, le ballon plein d'eau, le fluide glacial, le camembert à la moutarde. Mais je t'assure, ça vient du plus profond de moi-même. Non, c'est vrai, tout au fond de moi, il y a toujours un gag qui me demande qu'à sortir. Ah. Tu vois, là. Ah. Oh, non, c'est pas vrai, tiens. Merci. Mais salut! T'as vu ce que je viens de trouver qui traînait là devant ta porte? Docteur? Salut la grande Maureen Mitchell! Dites, si les filets vous manquaient, il fallait embarquer sur un chalutier. Vous avez dû voir mon dernier match. Je m'appelle Adam Bricker. Docteur? Je savais que vous aviez embarqué avec nous. Vous n'avez pas trop d'ennuis? Seulement avec mon chauffeur. Il faudrait lui enlever son permis. Bon, ben, je vais suivre les cours. Appelez-moi en cas de problème, Maureen. Mademoiselle, pour toi. Allez, va jouer avec ton petit seau et t'appelle. Il y a des pâtés à midi. C'est ça, oui. J'ai promis à mon docteur de vous montrer mes radios. Voyons voir ça. Oh, ben ça alors, je ne savais pas que votre médecin traitant était Irvewood. Vous le connaissez? Si je le connais, nous avons fait toutes nos études ensemble. Irve était prêt à tout pour faire un canular. Une fois, je me souviens, il avait un cadavre, il voulait lui faire... Oui. Bon, je vous en dirai plus un autre jour. Si vous voulez bien, quand vous le verrez, vous lui dites bonjour de ma part. Bien sûr. En fait, quand nous débarquerons à Los Angeles, je prends le premier avion pour Houston pour qu'il puisse m'opérer. Vous ne pouvez pas être entre de meilleures mains. À la réflexion, ne lui dites rien, je lui passerai moi-même un coup de fil. C'est vous, le docteur? Ah oui, et qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai dû me fouler le genou. Ah oui, c'est douloureux. Pas si c'est sans genou. T'as pas de balle à manger? Je crois que vous vous connaissez, vous. Oui, malheureusement. Bien. Ben, il est bien foulé, oui. Bon,
Eh ben, je vais vous le remettre d'aplomb, mais il faut éviter de poser le pied pendant au moins 2 jours. Et comment je pourrais bouger? Avec ce truc-là. Ça devient un grand club. Il faut vraiment? Sauf si mademoiselle vous accepte sur ses genoux. Désolée, d'après mon assurance, c'est une voiture à une place. Vidange, graissage tous les 8000. Mesdames, messieurs, ici le commandant. Nous espérons que cette escale vous a été agréable. Nous partons pour Mazatlan dans quelques minutes. Regardez, regardez des souvenirs de ce beau pays. Qui veut un souvenir? Allons, allons, souvenir d'Acapulco. J'ai déjà vu ce pied-là quelque... Bonjour. Commandant. Commandant. Il est évident que quelqu'un a perdu un billet de 100 dollars, oui. On comptait justement le porter aux objets trouvés. Oui. Merci, laissez, je vais m'en charger. Voilà. Oh, je suis vraiment désolée. Oh, manifestement, c'est encore un tour de mon époux. Oh, c'est une plaisanterie qu'il affectionne. Votre mari. Il faut lui donner une leçon. Avec plaisir. Merci. Pour l'arbre de Noël des petits. Oui. Non, pas question. Point, jeu et 7. Vous tenterez à reculons. Ah. Besoin de moi? Oui. J'ai l'impression d'être une de ces mules qui tournent en rond toute la journée. Manifestement, tu es droitier. Hein? Si tu es droitier, tu pousses davantage sur la roue droite et automatiquement tu tournes. C'est normal. C'est pas bête du tout. J'ai pas de problème avec les fauteuils roulants, mais alors avec les journalistes sportifs... On pourrait peut-être faire la paix, non? Et on en reparlerait. Dame tu amor, ay, que vente mi niño, donde vivo yo. Let's go to that, shake it to me, boo. Arre, arre. Olé. Tequila. Tu vois, mi amor, tu vois, my love. Du brandy. Oui, gagné. J'ai de la mémoire. Bon, je reviens. Rassure-toi, je ne m'enfuirai pas. Maureen,
Marine, ça fait une heure que je vous cherche. Le docteur Ehoud a téléphoné pour dire qu'un laborantin avait interverti vos radios. Il peut vous opérer. Tout se passera bien. Vous voulez tout me répéter lentement? Oh, c'est une grande nouvelle. Je ne sais pas comment m'excuser pour vous avoir fait endurer cette épreuve depuis hier. Je sais que ça a dû être un choc terrible quand John vous a dit que l'opération était impossible. Maureen. Je m'excuse, je suis un peu abasourdie. On demande le docteur Bricker sur la passerelle. Excusez-moi, le devoir m'appelle. Vous êtes une chic fille. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureux, pour l'un comme pour l'autre. Madame Ballard. Le meilleur brandy du monde. Tiens, un jour, nous irons en France et nous viderons toutes les caves de cognac. Ensuite, ce sera Paris pour les robes, Londres pour les courses à Ascot et enfin Buckingham pour papoter avec la reine. John, j'ai bien réfléchi et ça ne marchera pas, mon vieux. On sait jouer la comédie. Quoi? Tu as ta carrière et j'ai la mienne. Je sais que tu veux m'épouser, mais... Mais quoi? Un jour ou l'autre, on finira par devoir choisir. Une des deux carrières passera avant l'autre. Je ne veux pas que tu abandonnes la tienne et je n'arrêterai pas la mienne. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu m'aimes, on se marre. C'est souvent débile, le ballon plein d'eau, le fruit glacial, le camembert à la moutarde. Mais je t'assure, ça vient du plus profond de moi-même. Non, c'est vrai, tout au fond de moi, il y a toujours un gars qui me demande qu'à sortir. Ah, tu vois, là. Ah, non, c'est pas vrai, tiens. Merci. Mais salut. Tu as vu ce que je viens de trouver qui traînait là devant ta porte? Docteur? Salut la grande Maureen Mitchell. Dites, si les filets vous manquaient, il fallait embarquer sur un chalutier. Vous avez dû voir mon dernier match. Je m'appelle Adam Bricker. Docteur. Je savais que vous aviez embarqué avec nous. Vous n'avez pas trop d'ennuis? Seulement avec mon chauffeur. Il faudrait lui enlever son permis. Bon, ben, je vais suivre les cours. Appelez-moi en cas de problème, Maureen. Mademoiselle, pour toi. Allez, va jouer avec ton petit seau et t'appelle. Il y a du pâté à midi. C'est ça, oui. J'ai promis à mon docteur de vous montrer mes radios. Voyons voir ça. Oh, ben ça alors, je ne savais pas que votre médecin traitant était Irve Wood. Vous le connaissez? Si je le connais, nous avons fait toutes nos études ensemble. Irve était prêt à tout pour faire un canular. Une fois, je me souviens, il avait un cadavre, il voulait lui faire... Oui. Bon, je vous en dirai plus un autre jour. Si vous voulez bien, quand vous le verrez, vous lui dites bonjour de ma part. Bien sûr. En fait, quand nous débarquerons à Los Angeles, je prends le premier avion pour Houston pour qu'il puisse m'opérer. Vous ne pouvez pas être entre de meilleures mains. À la réflexion, ne lui dites rien, je lui passerai moi-même un coup de fil. C'est vous, le docteur? Ah oui, et qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai dû me fouler le genou. Ah, oui. Oh là là. Ah oui, c'est douloureux. Pas si c'est sans genou. T'as pas de balle à manger? Je crois que vous vous connaissez, vous. Oui, malheureusement. Bien. Ben, il est bien foulé, oui. Bon. Eh ben, je vais vous le remettre d'aplomb, mais il faut éviter de poser le pied pendant au moins 2 jours. Et comment je pourrais bouger? Avec ce truc-là. Ça devient un grand club. Il faut vraiment? Sauf si mademoiselle vous accepte sur ses genoux. Désolée, d'après mon assurance, c'est une voiture à une place. Vidange, graissage tous les 8000. Mesdames, messieurs, ici le commandant. Nous espérons que cette escale vous a été agréable. Nous partons pour Mazatlan dans quelques minutes. Regardez des souvenirs de ce beau pays. Qui veut un souvenir? Allons, souvenir d'Acapulco. Monsieur, prenez-moi un petit souvenir. Vous, mademoiselle, veuillez débarquer, nous allons bientôt partir. Quoi? Déjà? Eh oui. C'est bien ma veine. J'ai pas fait d'affaires terribles, alors. Qu'est-ce que va devenir ma famille? Votre famille... J'ai accepté de prendre tout le monde en charge. Tout le monde? Tout! Je ne veux pas avoir un mort sur la conscience. Non. Il vaut mieux prévenir l'équipage. Oui. Madame Wolf, nous avons des doutes, mais nous croyons que votre mari est tombé par-dessus bord. Son chapeau flottait sur la mer. Il faut faire stopper les machines. Oh, je vous en prie. Bien.
Calmons-nous, pas de panique. Vous savez bien que Cyril est prêt à tomber n'importe où pour faire rire les autres. Je sais qu'il ne cherche pas à blesser quelqu'un avec ses plaisanteries. Non, c'est juste pour... Eh bien, parfois, il se laisse emporter et puis il ne sait plus quand s'arrêter. Moi, je serais assez disposée à l'arrêter d'une bonne gauche au menton. Allons, Martha. Si je pouvais, je... Martha. Je parie qu'il saurait s'arrêter si un jour la plaisanterie se faisait à ses dépens. Oh, vous savez que c'est une idée que je trouve très intéressante. Mais il nous faudrait de l'alcool, de l'iodine et du ruban adhésif. Qu'est-ce qui s'est passé? Un blessé? Oui, un spectateur. C'est pour notre numéro de ce soir. C'est à Avril, cette guitare? Oh, c'est très gentil. Oh, docteur, elle t'en a fait cadeau, vraiment? Mais non, elle l'avait sous le bras en quittant le navire. Docteur. Docteur. Le commandant va nous massacrer les uns après les autres. Oui, avec un peu de chance, il va se faire des cheveux. Non, sans blague, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour Avril? Il va falloir encore une fois la débarquer. Si on le met au courant. Alors, il ne faut rien lui dire. Alors, je ne lui dirai rien. Il faut que je lui dise. Hein? Ayez confiance en moi. Il y a bien des façons de présenter une situation de ce genre. Anita! 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 Tu as vu ce que j'ai fait avec le révérend? Anita! Anita! À tout le monde, on vient juste de m'apprendre que mon bien-aimé Cyril était passé par-dessus bord. Je ne saurais vivre sans mon époux, c'est pour ça que je viens moi aussi de passer par-dessus bord. Je tiens à l'accompagner dans son voyage vers l'au-delà. Oh non! Anita, chérie, je voulais pas... Tout ça, c'est ma faute. Ah, tout ça, c'est ma faute. On vous a eu! Être très coopératif. Vous êtes prêt à donner un coup de main? Ah hey, t'amusante aussi, hein? Bonjour, nous sommes les Dickerson. Bonjour, Julie McCoy, enchantée. Je vous présente monsieur et madame Wolf. Très enchantée. Tout le plaisir est pour nous, révérend. Je vous ai eu, hein? Oh non, ça va être une croisière étonnante. Et ça fait du bien de se détendre, vous ne trouvez pas? Ce n'est rien, ma chérie. Viens. Bon, ben, je vais... Oh, vous n'aurez à supporter ces fantaisies que pendant 10 jours. Et moi, ça fait 20 ans que ça dure. Et il n'y a jamais de temps mort. Gopher. Oui? Vous pourriez accélérer un petit peu. Eh? Vous pourriez passer en troisième. Eh oui, je m'excuse, mademoiselle. Je croyais que la troisième... Oui, je sais, tout le monde croit ça. Mais puisque je suis coincée là-dedans, autant que je m'amuse un petit peu, non? Bon, d'accord. À vos marques, moteur marche. Pied au plancher, attention de fin. Chaudement. Et voilà. Là. Voilà le patron. Oh, mes respects, commandant. Je voudrais vous présenter mademoiselle... Eh oui, je sais, Gopher. Je connais mademoiselle Maureen Mitchell. Je suis vos exploits sur les courts de tennis depuis des années. Oh, il y a un mois, je jouais au tennis et maintenant, je fais dans la course automobile. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, je fais chauffer le moteur. Commandant Stubbing. Enchanté. Je suis heureux de pouvoir parler tennis. En fait, mon problème, moi, c'est mon service. Ah, et qu'est-ce qu'il a, votre service? Je ne touche pas une balle. Je vous reverrai ce soir pour le dîner. Oui. Bon, vous avez dit cabine numéro 342, pont promenade. Je peux me débrouiller toute seule. Bien, d'accord. Merci. Et vous passez par ces portes là-bas, voyez-vous, c'est à gauche. Très bien, merci beaucoup. D'accord. À tout à l'heure. Et à tout à l'heure. We'll be right back.
la meilleure. Et moi qui croyais que je pourrais m'amuser. Bonjour, Mitchell. Et ce dos, ça va? Ça ne te regarde pas, merci. Je posais la question par gentillesse. Un coup malheureux était toujours folle de rage. Tout le monde a ses mauvais jours. 6-1 et 6-0, ce n'est pas un mauvais jour. C'est la pile. Que c'est triste, un mauvais perdant. À propos de mauvais perdant, qu'est-ce que tu penses d'un type qui, pour se venger d'une fille qui ne cède pas tout de suite, fait prendre des photos douteuses par son assistante? Oh non, une minute, ma grande, une minute. Alors, c'est ce que tu crois, hein?